Alors bonjour à tous, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour Patrimoine 24 les représentants de trois sociétés de gestion pour parler de la transition énergétique pardon, et écologique, les deux étant souvent intimement liés. Alors nous allons parler du fonds Mandarin Global Transition avec Adrien Dumas, qui est directeur des investissements pour Mandarin Gestion. Du fonds BDL Transition avec Laurent Chauder, qui est directeur de la recherche ESG chez BDL Capital Management, et du fonds Robeco Smart Energy avec Nicolas Benetton, spécialiste des produits thématiques chez Robeco. Alors ma première question, je vais la laisser pour Laurent. Pourquoi s'intéresser à la transition énergétique et écologique comme thème d'investissement? Est-ce que c'est réellement porteur de valeur pour les investisseurs, sachant que vous avez une petite particularité pour votre fonds, je crois. Oui, tout à fait. Alors, ce thème-là, on l'a identifié depuis un moment et c'est une partie importante du fonds BDL Transition. Et pour nous, c'est assez intuitif les raisons de s'intéresser à cette thématique. C'est-à-dire que si on schématise et qu'on résume, le monde a besoin de se transformer et de passer finalement d'un système où on produit des énergies fossiles qui servent notre économie dans un système décarboné pour éviter d'émettre du CO2 et d'éviter le réchauffement climatique. Donc on doit passer des centrales à gaz et à charbon et du pétrole aux éoliennes et aux panneaux solaires. Et en fait, il faut reconstruire toute notre infrastructure économique. Et ça va se faire sur les 30 prochaines années. Et évidemment, ça génère énormément d'investissements et de croissance, d'où l'intérêt du thème. Sur la partie écologique, c'est assez évident aussi. On a une planète en fait qui a des ressources finies. Chaque année, on voit qu'on avance la journée à laquelle on a saturé les ressources de la planète. Et donc, il faut qu'on travaille notamment sur la circularité, le réemploi des produits qu'on a utilisés, etc. Et donc là aussi, il y a beaucoup de croissance et beaucoup d'investissements à faire qui vont être porteurs pour les actionnaires, les investisseurs comme nous. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est toujours créateur de valeur? Donc là, ça correspond à la philosophie de notre investissement, c'est-à-dire qu'un bon investissement pour nous, c'est une bonne entreprise au bon prix. Souvent, c'est assez facile de voir quelle est la bonne entreprise, quelles sont les bonnes tendances de croissance, mais parfois, le prix ne va pas avec. On peut citer par exemple 2021, où on avait une sorte de bulle spéculative sur tout ce qui était énergie renouvelable. La tendance était claire, elle est toujours aussi claire aujourd'hui, mais à l'époque, le prix était un peu déconnecté de toute réalité. Et donc, en achetant 2021, ça ne s'est pas révélé un bon investissement. Donc, nous, c'est vraiment l'équation bonne entreprise, bon prix qui fait le bon investissement. Et donc, on reste assez strict sur les prix qu'on paye pour ces histoires. Merci Laurent. Adrien, je suppose que vous partagez une partie du discours de Laurent, avec peut-être quelques particularités qui vous sont chères. Oui, je partage complètement le constat. Je rajouterai deux choses. Le premier, c'est qu'on sent qu'il y a une prise de conscience quand même de tous les acteurs économiques pour faire avancer cette thématique, sous la pression, du régulateur, sous la pression des consommateurs, sous la pression, des citoyens qui demandent un engagement, une responsabilité de plus en plus marquée de la part des entreprises et qui les obligent en fait à apporter des réponses et donc à s'engager dans cette transition, à ces efforts de décarbonation, ce qui est un soutien fondamental, je pense, à cette thématique. Et on rajoutera, oui, le soutien budgétaire, régulatoire, qu'on voit se déployer sous plusieurs formes, avec notamment aux États-Unis un plan dédié à cet effort de transition écologique hein, qui s'appelle l'Inflation Reduction Act, le Green New Deal sous ses différentes versions en Europe, une grande partie des plans quinquennaux chinois passés et futurs faisant une priorité aussi à ces sujets. Donc voilà, on a clairement un alignement des planètes aujourd'hui pour considérer que c'est une priorité parce qu'il y a une urgence, premièrement, mais aussi parce qu'effectivement, tous les acteurs économiques s'engouffrent dans cet enjeu. Donc ça fait évidemment un socle extrêmement porteur. Nous, en moyenne, les valeurs qu'on considère comme éligibles à ce sujet de la transition écologique, elles ont à peu près deux fois le rythme de croissance constaté de la moyenne du marché. Hein, donc c'est effectivement générateur de croissance. Et elles ont une rentabilité espérée des capitaux employés qui est environ 30% supérieur à la moyenne des marchés. Donc là, on est en théorie sur un potentiel effectivement de création de valeur qui est assez important. Je rejoins ce qu'a dit Laurent, il faut être attentif aux valorisations, il faut être sélectif, ça c'est évident. Les 2 années qui viennent de s'écouler en sont une bonne illustration. Et c'est à nous effectivement, en tant que gérant de conviction, de faire les bons choix. Mais il y a vraiment un terreau extrêmement fertile pour générer de la performance sur cette thématique.
Parfait, merci. Nicolas, vous avez un fonds qui porte bien son nom, hein, énergie, effectivement. Est-ce que vous pensez, vous, que c'est porteur de valeur et que c'est un thème, effectivement, important d'avoir dans son portefeuille? Oui, évidemment, ça fait 20 ans qu'on a créé cette stratégie Smart Energy, mais on essaie d'être smart en même temps. Je peux que m'inscrire dans la continuité de ce qui a été dit et même peut-être aller un petit peu plus loin dans le sens où, dans notre vision thématique, on va chercher à s'inscrire plus loin que la transition et à s'inscrire presque directement dans la rupture, je dirais, en exagérant à peine. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire des paris assez tranchés et d'aller sélectionner ces apporteurs de solutions, ce qu'on appelle ces pure players, qui pénètrent de nouveaux marchés, qui viennent avec une proposition de valeur unique, qui les distingue, qui crée des valeurs de fortes barrières à l'entrée, du coup qui crée un avantage compétitif important, et donc ce qui leur permet de croître bien au-dessus du marché, du rythme du marché. Et à l'inverse, des sociétés en transition, on est généralement, à travers notre gestion thématique, moins persuadé, non seulement de leur pérennité, mais aussi de leur capacité à croître, puisqu'on voit un risque, et en particulier dans les secteurs de l'énergie ou de l'automobile, assez fort pour ces sociétés qui sont en transition, donc qui créent un nouveau business model, mais qui ont aussi un business model ancien à gérer, que finalement, elles ne parviennent pas, ou à un certain moment, elles ne parviennent plus à monétiser l'un ou l'autre, c'est-à-dire soit à ne pas réussir dans leurs nouveaux investissements, soit à ce que leurs anciennes activités pèsent dans leur bilan. Et il y a même un risque encore plus important, c'est qu'elles échouent dans les deux. Donc, c'est pour ça que naturellement, dans notre gestion thématique, on va avoir tendance à se porter plus loin, à investir vraiment sur des propositions de valeur qui sont vraiment uniques, avec un savoir-faire technologique, etc., qui bénéficient à cette transition, mais qui vraiment la dirige plutôt que la suivre. Alors, on va revenir effectivement sur la composition des fonds, les secteurs géographiques, les secteurs industriels que vous investissez. Je vais peut-être laisser la parole à Adrien pour nous parler effectivement de son univers d'investissement et de la façon dont il pilote. Oui, c'est une bonne question. Alors, nous, on a plutôt choisi une approche globale, effectivement, considérant que c'est un sujet qui allait mettre en compétition, j'allais dire, toutes les entreprises autour de la planète pour leurs efforts de R&D, pour leur innovation. C'est clairement ce qu'on est en train de voir. Autant je pense qu'on pouvait considérer qu'il y a 6 à 7 ans, l'Europe concentrait certainement une grande partie des savoir-faire ou de l'avance sur ces enjeux de transition. Clairement, on va dire depuis 2-3 ans, il y a beaucoup d'autres zones géographiques, économiques qui ont franchi le cap. L'exemple récent des États-Unis en est quand même une bonne manifestation, et avec des entreprises qui ont clairement aujourd'hui mis l'accélérateur sur leurs efforts de R&D, sur leurs efforts d'innovation pour proposer des solutions contribuant à la décarbonation et, j'allais dire, aux enjeux climatiques et environnementaux dans leur ensemble. Donc oui, on a plutôt eu une approche globale avec une volonté de diversification. C'est assez intéressant de voir qu'après 3 ans et demi de gestion de ce fonds, notre allocation géographique a été extrêmement mobile parce qu'on vient de vivre 3 ans avec un contexte à la fois économique, diplomatique et géopolitique qui a beaucoup changé la donne. Il y a plein de supply chains qui ont été perturbés par ce qui se passe. Il y a une montée du protectionnisme, des barrières douanières qui nous obligent en fait clairement à revoir en permanence qui peuvent être les grands gagnants de ces thématiques en fonction de leur périmètre géographique. Donc ça, cette liberté d'action avec un fonds global, c'est pour nous extrêmement important. Et clairement, on en a énormément bénéficié. En tout cas, on a beaucoup utilisé ce levier pour essayer effectivement de générer la performance de manière régulière. D'un point de vue sectoriel, aujourd'hui, c'est très difficile de dire qu'il n'y a pas de secteurs qui sont concernés par la transition. En fait, la majorité des activités industrielles ont un impact environnemental négatif sous l'angle du carbone ou sous d'autres aspects comme la biodiversité, comme l'eau ou sur la circularité. Et donc, là encore, ça donne un terrain de jeu qui est extrêmement profond et qui va permettre d'apporter de la vraie diversification. On parlera peut-être de la volatilité. C'est vrai que notre volonté, nous, dans le fond, dans une globale transition, c'est en permanence d'avoir un vrai monitoring de notre diversification pour s'assurer d'une performance qui est ajustée d'un risque qui est tout à fait appréciable et qui permet un peu de sortir effectivement de l'écueil de temps en temps de certaines thématiques qui offrent une volatilité extrêmement forte. Et ça, clairement, la transition écologique est un sujet qui permet ça parce qu'il y a vraiment des enjeux dans tous les secteurs. Il y a des innovations dans tous les secteurs qui vont permettre effectivement d'avoir un profil de performance assez encadré en termes de risque et de volatilité. Merci. Laurent, votre univers d'investissement, vos zones géographiques, vos secteurs, quels sont-ils aujourd'hui?
Oui, alors BDL Transition, c'est un fonds qui est majoritairement sur les actions européennes, même s'il peut faire des actions un peu internationales. L'autre particularité, c'est que c'est un fonds qui a cinq thématiques. Il n'est pas monothématique. On a parlé de la transition énergétique écologique. C'est effectivement une partie importante du fonds, 40% actuellement. Mais on a aussi la transition digitale, la transition concernant la mobilité des infrastructures, la transition économique. Et donc, au total, on a cinq transitions. Ça nous permet en fait d'allouer notre capital en fonction des opportunités. Et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. À un moment donné, peut-être que les opportunités sont intéressantes dans le digital, mais le prix n'est pas le bon. Donc, on va avoir peu de capital alloué à cette thématique et on aura sur les autres thématiques. Donc, l'idée, elle est double dans ces cinq thématiques. C'est un, ne pas se priver d'opportunités qui ne sont pas que sur l'énergie ou l'écologie. Et deux, allouer le capital pour essayer d'éviter les bulles spéculatives. Donc voilà un petit peu comment on raisonne sur ce fonds. Donc par exemple, ensuite, on a des micro-thématiques. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la transition énergétique, écologique dont on a parlé, pour prendre l'exemple, hein, on va avoir trois sous-thématiques, l'économie circulaire, le bas carbone et la fin du plastique. C'est dans ces micro-thématiques qu'on va trouver des opportunités, qu'ensuite on va filtrer avec la qualité de l'entreprise, notre analyse ESG et la valorisation. Et on va construire le portefeuille comme ça, vraiment en bottom-up. Parfait. Donc j'ai bien compris que vous étiez sur plusieurs thématiques de transition, pas seulement énergétique et écologique. Voilà. Nicolas, votre univers d'investissement, je crois que c'est un fonds plutôt global également. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, tout à fait. Alors, c'est un fonds global géographiquement, parce que de manière générale, on ne conçoit pas vraiment les thématiques autrement. Alors, ce que Laurent vient d'expliquer se tient parce qu'il a un univers d'activité large, donc on peut se permettre d'être un peu plus restreint en termes géographiques. On est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on a vraiment un focus d'investissement très ciblé. On a un objectif très clair, hein, en tant que fonds article 9, c'est de décarboner le secteur de l'énergie. Donc, la mission et la feuille de route est très claire. Pour ça, on a un nombre relativement restreint de valeurs. C'est 250 valeurs parce qu'il faut qu'on se montre exigeant. Si on veut sélectionner des bonnes valeurs et avoir un portefeuille cohérent, il faut aussi se montrer strict sur ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, acheter et ce qu'on ne fait pas. Donc, on a à la fois donc des critères de sélection assez stricts, mais aussi des restrictions assez claires, c'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on ne veut pas d'exposition fossile dans le portefeuille. On pense que la transition pour ces groupes énergétiques intégrés, elle va être très compliquée. Donc, encore une fois, on ne dit pas que ce sont de mauvaises sociétés ou qu'il ne faut pas le faire. Il faut au contraire accélérer la transition. On n'est pas convaincu dans l'équipe que ce sont ce type de sociétés qui vont parvenir vraiment à capter la valeur ajoutée et la création de valeur. Donc, on raisonne généralement en termes de chiffre d'affaires liés à l'une ou l'autre des catégories et sous-catégories. Et on va laisser de côté donc les entreprises liées au pétrole, au charbon, gaz naturel et même au nucléaire. Là encore, ce n'est pas un choix dogmatique, c'est un choix très pragmatique. On n'est pas persuadé de la valeur ajoutée économique et financière du développement nucléaire aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire que dans l'équipe, où de nombreuses cultures et nationalités sont représentées, on soit contre. C'est vraiment une prise de position d'investissement. Donc, dans ces 250 valeurs et dans la cinquantaine de valeurs qui vont composer le portefeuille final, on va retrouver des valeurs à l'international, en Asie, en Europe, aux États-Unis. Je dirais peu importe parce qu'elles opèrent toutes de toute façon de manière globale. On voit beaucoup de valeurs asiatiques qui vont bénéficier très directement des investissements aux États-Unis parce qu'elles sont éligibles. Donc, ça a moins d'importance pour nous que vraiment l'activité elle-même. Et en termes sectoriels, on va retrouver beaucoup de valeurs technologiques, ce qui soulève beaucoup de questions. Donc, je vais préciser ici de manière très succincte qu'il y a technologie et technologie. On n'investit pas dans le Nasdaq. On n'a aucune des principales capitalisations technologiques du S&P 500. On va investir vraiment chez ces pure players, encore une fois, qui fournissent des solutions dont les composants de gestion de puissance, par exemple, vont se retrouver pour l'économie d'énergie des data centers, de panneaux solaires, de gestion de batteries de véhicules électriques et ce genre de choses. Donc, voilà, le stock picking nous permet de nous différencier beaucoup des grands indices et technologie ne veut pas forcément dire investir dans les 10 plus grosses capis, du secteur. D'accord. Alors, puisque vous êtes avec moi, vous pouvez nous donner un exemple de société dans laquelle vous êtes investi?
Si je continue sur ma lancée et avec un disclaimer énorme que ce n'est pas une recommandation, etc. Oui, oui, une société qu'on aime beaucoup et depuis longtemps, c'est l'allemand Infineon, par exemple. On pense que c'est une... Pardon? L'allemand Infineon. On pense que c'est une société d'accord. qui n'a pas toujours été bien comprise. C'est une société qui a opéré un changement quand même assez important et drastique ces dernières années. Puisque c'est une société qui part d'une activité de semi-conducteur entre guillemets traditionnelle et qui a pris très tôt le virage de l'automobile, sans mauvais jeu de mots. Du coup, ils se sont positionnés très tôt, notamment en Europe, sur ce créneau. Ils fournissent des composants et des semi-conducteurs pour de nombreuses applications dans les véhicules électriques, ce qui leur permet aujourd'hui d'avoir capté énormément de parts de marché avec les principaux constructeurs, que ceux-ci soient des purs électriques ou globaux. Et en dépit de résultats qui peuvent être diversement appréciés, comme ça a été le cas récemment, nous, on voit une trajectoire de long terme. C'est un investissement de long terme depuis de nombreuses années dans notre portefeuille. On peut être relativement actif dans le poids qu'on peut donner, mais ça reste une conviction très forte. Encore une fois, parce qu'on pense qu'on aura un avantage compétitif nous-mêmes en estimant cette croissance formidable qui s'annonce dans le véhicule électrique, pour ne nommer qu'un seul débouché pour eux. D'accord. Adrien, sachant que ce n'est pas une recommandation d'achat, on a bien compris. Oui, j'ai utilisé le même disclaimer. Je peux prendre l'exemple d'une entreprise américaine qui s'appelle Tetra Tech. C'est une grosse mid-cap, capitalisée autour de 10 milliards aujourd'hui aux États-Unis. Leur spécialité, c'est le conseil, le bureau d'études, l'ingénierie pour les entreprises et les services publics dans la décarbonation de leurs activités. Donc, c'est l'accompagnement des municipalités, des comtés, des entreprises dans le déploiement de solutions pour réduire leur consommation électrique, réduire leur consommation d'eau, trouver des solutions circulaires, déployer des solutions sur le terrain. C'est un métier qui offre beaucoup de visibilité et qui, aux États-Unis, effectivement, est en forte accélération, notamment, j'allais dire, depuis 2 ans, avec une vraie prise de conscience de tout l'écosystème américain, aussi bien politique, économique et côté corporate, de l'urgence d'agir. Donc, c'est une entreprise qui a un rythme de croissance supérieur à 10% par an, avec en plus un potentiel d'expansion à l'international qui nous semble extrêmement intéressant. Très bien, passionnant. Laurent, même disclaimer, on est d'accord. Oui, pour rester dans la même thématique, donc sur la transition énergétique, on peut prendre peut-être Iberdrola, l'énergéticien espagnol. Ça illustre bien ce qu'on fait, je pense. Premièrement, tendance de croissance, on en a parlé. Éolien, panneaux solaires, donc énergie renouvelable. C'est un des grands leaders européens, voire mondiaux, sur le sujet. Deuxièmement, qualité du track record et du management, c'est le cas. C'est pour moi un des meilleurs track records du secteur en Europe. Très important parce qu'on l'a vu notamment avec Ørsted, le problème de ces investissements dans l'énergie renouvelable, il y a beaucoup d'argent qui va là-dedans et le risque, en fait, c'est de ne pas signer les bons contrats et d'avoir des problèmes ensuite. Donc, on pense qu'avec Iberdrola, vu le track record, on est absent de ce risque-là. Et troisièmement, une valorisation qui reste encore très abordable et qui devrait nous permettre de profiter de la croissance en termes de performance pour le fond. Parfait. Alors, je vous propose d'aborder, mais très rapidement, effectivement, la notion de volatilité quand on est sur un fonds thématique comme des fonds thématiques comme les vôtres. Et puis, de passer, vous gardez la parole et vous passez sur l'idée de comment vous mesurez finalement l'impact de ces sociétés sur cette transition. Parce que aujourd'hui, tout ça, c'est un petit peu quand même parfois contredit. On parle de greenwashing, on parle de choses comme ça. Je pense que c'est important de rappeler que vous avez sans doute des processus de surveillance, de contrôle, je ne sais pas comment on peut les appeler. Laurent, je commence par vous. Volatilité et puis impact réel des sociétés que vous avez en portefeuille. Comment vous le mesurez ? Oui, alors la volatilité, on essaye entre autres de la gérer par justement l'exposition aux 5 thématiques, pas une seule thématique. Et deuxièmement, on a des processus de contrôle de risque aussi, où on va regarder comment ces 5 transitions se déploient sur les secteurs et quelle est la répartition sectorielle du fonds. Et on va toujours essayer d'avoir quelque chose d'équilibré. Et on va faire la même chose sur l'analyse factorielle. On sait que ça a pris beaucoup d'importance, les facteurs value, grosse, qualité, etc. Là aussi, on va essayer de neutraliser ces facteurs pour que la performance du fonds vienne avant tout de la section de valeur et non pas des biais sectoriels ou quantitatifs.
Et c'est ça qui va nous aider finalement à limiter un petit peu la volatilité. Sur la deuxième question de l'impact, hein, parce que c'est un vrai sujet pour les fonds article 9, en fait, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a mappé chacune des transitions avec des objectifs de développement durable. Et pour chacun de ces objectifs, on a essayé de trouver un KPI d'impact. Donc, en fait, chaque transition a un KPI d'impact qu'on va ensuite mesurer d'une année sur l'autre pour voir si ça progresse. Donc, par exemple, dans la transition énergétique, c'est les tonnes de CO2 émises en scope 1 et 2. Et on va regarder chaque année si les sociétés de cette transition sont capables de réduire les émissions de CO2. Dans la transition digitale, on va regarder les dépenses en CAPEX. Est-ce que ces sociétés investissent assez pour accompagner la transition digitale. Et donc, on va mesurer le CAPEX d'une année sur l'autre pour ces entreprises et voir si ça progresse. Et pour chaque transition, on a donc un KPI et on est capable de mesurer l'évolution d'une année sur l'autre. Parfait. Adrien, volatilité, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais comment on contrôle l'impact finalement? Oui, de bonnes questions. Alors, sur la volatilité, peut-être un... En contre-pied de Laurent, nous, on a plutôt effectivement un débit de gestion affirmé sur la gestion de conviction, le niveau de concentration du portefeuille, un biais plutôt croissance. Et par contre, on va s'assurer vraiment que notre diversification va apporter clairement son effet sur la volatilité avec un suivi de table de corrélation, avec un périmètre géographique qui nous permet cette diversification. Et peut-être pour répondre simplement, depuis 3 ans et demi qu'on gère la stratégie, on a une volatilité qui est à peine 5% inférieure à notre indice qui est le MSCI global. Donc, cette diversification, elle a visiblement effectivement porté ses fruits et nous a permis de vraiment de contrôler une volatilité qui est par rapport à ce que vous retrouvez sur des fonds thématiques sur les thématiques qui sont un petit peu plus étroites, une volatilité qui nous reste tout à fait qui nous semble tout à fait contenue et au regard de la performance que ça a générée, ça donne clairement un couple rendement risque qui a été plutôt bon. Sur le sujet de l'impact, nous on a décidé d'être extrêmement sélectif de deux façons. La première, c'est qu'on a clairement appliqué le cahier des charges du label Greenfin qui est décerné par le ministère de la Transition écologique en France, qui a un cahier des charges qui ressemble grosso modo à ce que, d'un point de vue philosophique, la Commission européenne veut mettre en place avec le déploiement de la taxonomie, et donc ce qui nous oblige à exclure toute activité fossile. On a décidé que c'était à partir du moindre euro de chiffre d'affaires, et de maximiser ce qu'on appelle des parts vertes, donc des entreprises qui déploient des produits ou des services qui ont une contribution véritable à la transition écologique et énergétique. Ça, c'est le premier cadre, c'est qu'est-ce que fabrique, qu'est-ce que propose l'entreprise. Et après, on essaie de corréler, enfin de compléter ça avec une analyse sur qu'est-ce que fait l'entreprise en tant qu'engagement corporate. C'est qu'est-ce qu'elle fait elle-même sur son approvisionnement en électricité, sur comment elle s'engage sur la consommation d'eau. Donc, ça mixe à la fois le produit et le service, mais aussi ce que fait l'entreprise sur son propre périmètre. On utilise notamment pour ça le cadre du SBTI, le Science Based Target Initiative, qui nous semble assez intéressant, notamment pour mesurer les trajectoires de décarbonation, et surtout avec un suivi dans le temps pour s'assurer vraiment que les entreprises respectent leurs engagements. Et puis, on peut aller plus loin avec de l'engagement actionnarial ciblé sur des sujets où on pense que les entreprises répondent pas vraiment à nos demandes ou manquent un peu de transparence. Et pour vous donner un chiffre, depuis 3 ans et demi qu'on gère cette stratégie, on a 4 titres qui sont sortis de notre portefeuille parce que l'entreprise n'a pas su répondre ou n'a pas été assez transparente sur des efforts, sur des points particuliers sur lesquels on attendait une meilleure trajectoire ou une amélioration ou un peu plus de détails. Voilà. Donc, on essaie d'être effectivement assez sélectif pour garantir clairement que confier des capitaux à notre stratégie, c'est contribuer efficacement à la transition écologique et énergétique. Ça me paraît effectivement très important. Nicolas, rapidement sur la volatilité et puis sur le contrôle de l'impact. Oui, alors sur la volatilité, c'est effectivement une réticence pour certains investisseurs en abordant les thématiques. Surtout sur des thématiques relativement précises, c'est un peu inévitable et c'est parfois contre-productif d'essayer d'éviter absolument la volatilité. Évidemment, la volatilité, le risque en général est quelque chose qu'on regarde très attentivement. Étant des stock pickers, on regarde principalement la contribution de chaque titre à la volatilité globale du portefeuille. Mais il faut, je dirais qu'il ne faut pas en avoir peur en tant que gérant thématique. Il faut essayer de l'utiliser au mieux, cette volatilité. C'est ça qui compte à la fin. Vous pouvez vous permettre d'avoir plus de volatilité que votre benchmark, quel qu'il soit, à partir du moment où vous êtes capable de l'utiliser. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaye de faire, y compris dans des périodes baissières, qui sont des périodes difficiles, on en connaît en ce moment, on en a connu beaucoup d'autres, y compris de ces trois, enfin, surtout ces 3 dernières années. Ce qui compte dans ces cas-là, c'est d'être vraiment sûr et fidèle à ses convictions et de long terme, et d'être capable d'utiliser, d'avoir la patience aussi, et de pouvoir expliquer à nos clients et investisseurs
nos choix, ce qui nous mène à ces choix et de quelle manière on essaye d'utiliser voilà, ces baisses de marché pour nous renforcer et regagner de l'alpha par rapport à un univers thématique. En ce qui concerne l'impact, c'est un très gros travail chez Robeco de manière générale. C'est particulièrement pertinent pour certains de nos fonds thématiques qui sont en article 9. Donc pour chaque fonds, on a des mesures d'impact, un peu comme ce qui a été décrit. Donc on utilise les objectifs de développement durable. Et d'ailleurs, on n'utilise pas seulement les objectifs, en fait, on utilise les cibles en dessous, que ce soit pour notre stratégie Smart Energy ou d'autres. Mais à la fin, le graal pour nous des mesures d'impact, ça sera d'être capable de mesurer les émissions évitées. Pour notre activité, le scope 1 et 2 n'est pas pertinent. On s'intéresse vraiment qu'à la partie émergée de l'iceberg et ça, on peut avoir des données qui sont vraiment pas bonnes. Quand on investit sur de la technologie, sur de l'industrie, ça peut aller sur un portefeuille très diversifié sectoriellement, mais pas pour ce qu'on fait. Même le scope 3 est relativement limité parce qu'on ne prend en compte que le négatif. Or, nous, on cherche à générer un impact positif. Donc, si vous prenez que ce qui ne va pas et ne considérez pas du tout, au contraire, ce qui va bien, la compétition n'est pas juste. Donc, on travaille d'arrache-pied sur ce sujet depuis longtemps. On a lancé une initiative qui a été rendue publique avant l'été avec d'autres asset managers, avec des investisseurs institutionnels, afin de définir des standards de place pour le calcul de ces fameuses émissions évitées. Tout le monde en profitera, c'est pas seulement pour Robeco. Et ce jour-là, véritablement, on pourra être en mesure de donner des mesures précises et d'expliquer réellement la valeur ajoutée des entreprises qui sont dans notre portefeuille. Donc c'est un projet de long terme, mais qui sera très structurant pour ce qu'on fait. Bah écoutez, messieurs, merci. C'est un sujet passionnant. On a du temps devant nous. Ce que je vous propose, c'est que nos auditeurs se rendent respectivement sur vos sites et poursuivent vos performances, vos idées d'investissement, et puis de s'approprier le sujet de la transition énergétique et écologique. Voilà, messieurs, à bientôt. Merci.